Sushi Go est un jeu de draft et de collection sur le thème des sushis, maki et autres sashimi. Les joueurs sont dans un restaurant japonais et tentent de réaliser la plus belle assiette parmi les plats qui passent. Dans Sushi Go, les joueurs commencent avec 7 à 10 cartes en main. Ils en choisissent une, qu'ils placent face cachée devant eux. Lorsque tous les joueurs ont choisi, les cartes sont retournées et le paquet passe au joueur de gauche. Les joueurs choisissent de nouveau une carte, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les cartes aient été posées. Ils comptent alors leurs points, et une nouvelle manche commence. Seuls les desserts restent jusqu'à la fin de la partie. Les baguettes permettent de prendre deux cartes au lieu d'une, en le remettant simplement en jeu. Sushi Go est un jeu de collection. Les cartes récupérées sont rangées par famille. Chaque famille rapporte des points de manière différente. Les tempura et les sashimi fonctionnent respectivement par pair et triple. Un tempura seul ne rapporte rien, mais deux tempura donnent 5 points. De la même manière, 3 sashimi valent 10 points. Les raviolis rapportent dès la première carte, mais plus le joueur en a, plus il gagne de points. Les sushis donnent des points fixes. 3 pour le calamar, 2 pour le saumon et 1 pour l'omelette. Associés à du wasabi, ils valent le double. Les makis fonctionnent par majorité. Le joueur qui a le plus de makis gagne 6 points, et le second 3 points. Les desserts sont sur le même principe, mais ils ne sont décomptés qu'à la fin de la troisième manche. Le joueur qui a le plus de desserts gagne 6 points, et celui qui en a le moins perd 6 points. Sushi Go est un petit jeu minimaliste, entièrement composé de cartes. Il reprend des mécaniques connues, simplifiées à l'extrême, pour proposer un jeu très accessible,